Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Message na biso ya lelo. Le message de ce soir. Maman il kambo na ngwezali innocent mais crucifié. Le titre du message de ce soir est innocent mais crucifié. Azalaki innocent. Il était innocent. Mais ils l'ont crucifié. Pour nanini. Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de développer ce soir. Sans plus tarder. Sans plus tarder. Mokolo ezalaka ya Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2. Dans le livre des Actes chapitre 2. La verset 23. Acte chapitre 2 verset 23. Dans Pierre a joué Kamaloba. Quand Pierre avait reçu la parole. Alors Aloba Kamaloba on a verset 23. Au verset 23, je lis la parole de Dieu. Bientôt, on est à 22 pour tout le temps, on est à 23. Tu vois quoi? Je lis la parole de Dieu. Amen. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Yesu ya Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu moto témoignage devant vous par les prodiges Babilembo et les signes. Continuez. Qu'il a opéré par lui katinabino au milieu de vous. Continuez. Comme vous le savez vous-même, le collaboré bien moi. Cet homme, moto oyo, livré selon le dessein, arrêté selon la conscience, la préscience de Dieu. Bengi mokano ya Nzambe ebongisa. Vous l'avez crucifié. Bobaka kiye nekulusu. Vous l'avez fait mourir. Boboma kiye. Par la main des impies. Na maboko ya bato mabe. Alors c'est-à-dire azalaki innocent. Il était innocent. Azalaki oyo Nzambe atindaki. Il était celui que Dieu avait envoyé. Kasi bato boboma kiye. Mais les gens l'ont crucifié, l'ont tué. Tant sou biso tango mituna. Est-ce que siko biso tozo baka nekulusu te? Vous pouvez nous poser la question aussi de savoir est-ce qu'en ce moment, s'ils ne sont pas en train de le crucifier. Alors, tant que vous êtes mon Christ, quand tu es chrétien, tu dis que je suis enfant de Dieu. Tant que vous continuez à vivre dans ma soeur, quand tu continues à vivre dans le péché, tu crucifies encore Jésus. Alors, tant que vous êtes en train de vivre dans ma soeur, après vous avez compris que Jésus était un papa qui est en train de vivre. Tu diras que peut-être que c'était le temps des Juifs, ils n'avaient pas compris Jésus, et c'est peut-être la chose qu'ils avaient crucifié. Mais toi et moi, quand nous nous haïssons, nous insultons, nous critiquons, nous parlons du mal des autres, nous avons le comportement hypocrite. Nous crucifions encore Jésus. Nous faisons souffrir encore Jésus. Il se pose la question de savoir est-ce que ces gens savent la souffrance que j'ai endurée. Awa Yesu, awa Pierre a limbolela qu'il soit à Israël. Ici, Pierre a encore décortiqué ce message pour les enfants d'Israël. Le thème n'a fait qu'il innocent parce que Baba qui est le thème de ce soir est innocent. Mais crucifié. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Nous avons commis le péché. Pour nous, pour n'engai na yo, afin que nous devenions, pour être engai no to koma, à lui justice. Nanzela na Yesu, to koma symbole bosu nanzamba. Amen, amen, amen. C'est-à-dire vie comportement ya mutu. Vu le comportement de l'homme, mutu akweya uta na jardin de Eden. Vu de la manière que l'homme était tombé à partir du jardin de Eden. Mutu koma ki musika nzambe. L'homme était loin.
de Dieu. Et loko esili sakanda ya Nzambe. Ce qui a arrêté la colère de Dieu. Ezali sacrifice à Yesu. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Yende alati masumu ya ngai na yo. C'est lui qui a porté les petits péchés et moi aussi mes péchés. Ngai na yo nde mututola ki condamné à mort. Parce que c'est toi et moi qui étions condamnés à mort. La Bible le dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Bible Romains, l'escar, le salaire du péché, c'est la mort. Dans le livre de Romains, la Bible nous dit car le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui condamné. C'est nous qui étions condamnés. Alors Batuba se peli babimisa Barabbas. Alors les gens étaient contents de faire sortir Barabbas. Mais que Jésus soit crucifié. Si on a comme moi, si bon mona ba konzi ba ko ibambongo, bozo imaima. Mais pour ponaka Barabbas. Mais moi je m'étonne quand les politiciens volent l'argent du pays, vous êtes là vous murmurez. Mais vous avez choisi Barabbas. Mokile ponaka Barabbas. Le monde avait choisi Barabbas. Le monde a choisi Barabbas. Mokile ponaka miyibi. Le monde a choisi les voleurs. Mutuaza sembo balingi ete. Celui qui est propre aux yeux de Dieu, les gens ne l'aiment pas. Barabbas, ils ont dit, nous irons Barabbas crucifier Jésus. T'as dit innocent mais crucifié. Innocent mais crucifié. Mais tant que vous allez aux olélas, les lakaka. Oh, Balobaki nanga boy, Bafinga kinga boy, likambo boy, Balobaki nanga. Peut-être que toi tu es là, tu passes ton temps à planifier en disant, oh ils m'ont insulté, ils m'ont injuré, ils ont dit n'importe quoi de moi. Au cause de la innocent. Non, peut-être que tu peux être innocent. Mais alors, ma gamme, mon kilo, cause de la innocent. Il y a des choses de ce monde aussi que tu peux être innocent. Mais quand c'est bien que dans Makala, il y a des innocents. Même en prison à la Makala, il y a des innocents. Mais ça, là-bas, innocent. En prison à la Makala, il y a des innocents. Mais ça, ma balle est belle, couffa, moi, c'est Ebili Kambouté. Il y a des barrières qui étaient détruites où la femme était. Mon balle n'est pas Ebili Kambouté. La femme est innocente et l'homme aussi, il est innocent. Mais ça, ma balle, tout le couffa, à Ebili Kambouté. Il y a des gens aussi qui sont morts, qui étaient innocents, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Pour n'avoir que côté de ma soula politique. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Tu n'as pas innocent et belé ou pas couffa innocent. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Sinon vous verrez, il y a beaucoup d'innocents qui sont décédés. Mais le retour le belandé Jésus. Aujourd'hui nous parlons de Jésus. Moi qui est innocent sans péché. Qui est innocent sans péché. Alors on a le bas qui était donc tant là tant où il y a procès il y a l'ouai à Jésus. Le temps du procès de Jésus. Et là qui n'a six personnes. Il y avait six personnes qui avaient témoigné qu'il était juste. Et pourtant, ils allaient à football avec trois témoins. On avait besoin seulement de trois témoins. Mais Jésus, il était dit six témoins. Mais avec Jésus, il y avait plus de trois témoins. Mais il y avait six. Les gens avaient décidé, malgré cela, qu'il meurt. Mais il faut le banger à beaucoup de fois innocenté. Dis-moi, je ne mourrai pas pour mourir la mort innocente. Puisque lui, il est Dieu. Regardez un peu le temps de Jésus. Hérode a beaucoup innocent. Hérode avait tué beaucoup d'enfants innocents. C'était des enfants qui étaient innocents. Mais ils étaient, Hérode les avait tués. Nathan ou père Moïse. Autant de Moïse aussi. Innocent. Beaucoup d'enfants étaient innocents. Non, moi je ne toi-même parle de ça. Je ne pas dire que la mort de quelqu'un de toi, tu vas mourir à sa place. Ce qui t'a tendance à Si ton voisin est sorcier, sa sorcellerie va le tuer lui-même. Puisque je vous ai toujours dit que la méchanceté détruit le méchant. Mais Jésus était là qui est juste. Jésus était juste. Alors, tu vois qu'un premier témoin. Nous allons maintenant voir le premier témoin. Premier témoin, c'est Kaka Oyo a te kakaye. Le premier témoin, c'était celui qui avait vendu Jésus. Et c'est là qui est Judas. C'était Judas. Tout le temps, dans Matthieu 27, verset 4. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Pour te dire la mingue, dans le livre 23. Na Matthieu 27. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Le verset. À partir du verset 4. Toyoka. Je lis la parole de Dieu. Bandaka Kana 3.
Ok, je commence à partir du verset 3. Amen. Alors Judas, si ma Yuda, qui m'avait livré, akabaki Yesu, voyant qu'il était condamné, amona ki ete Yesu sengela ki babomaye, se repentit, abongoli motema, et rapporta les 30 pièces d'argent. Amen. Mais 30 palata ya mbongo azalaki na yango au principal sacrificateur na maboko ya banganga nzambe et aux anciens et aux anciens na verset 4 en disant alobi boye j'ai péché na sali mabe en livrant le sang innocent. Ok, Juda à prendre conscience. Juda a pris conscience, il a dit ah, j'ai livré un sang innocent. Il a dit j'ai livré un sang innocent. Dans les années d'accident, nous sommes monaco sala magawana. Et c'est un accident à côté. Il y a des accidents. Mais le col dans lequel on monte, nous on fait la coupe, mon aïe même mieux. Il y a des accidents qui sont passés, peut-être que ça te concerne pas. La coupe fait un accident à monte. Oui, je ne voudrais pas de l'accident. La coupe fait un livrer à monte. Je ne voudrais pas la mort de quelqu'un d'autre. On nous cela qui calendrier satanique va tirer sur toi, va te couvrir. Satanique. Je fasse tout cela au nom de Jésus. Nous avons une liste nécrologique. Famille répondit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus Christ. Awa Juda. Ici Juda. Abi, j'ai péché. Il dit j'ai péché. En livrant le sang innocent. Il dit j'ai péché en livrant le sang innocent. Bah tu bonnes choses au talent au. Combien de personnes est-ce que quand tu fais l'examen de conscience que toi tu as tu les as accusés injustement? Non, pas exemple l'angamoko. Je vous donne moi-même mon exemple. Nana outa Kinshasa. Je venais d'arriver de Kinshasa. Nayaka na ba cassette. Ah on a pas. J'étais venu ici en Europe avec des cassettes. Ngana panza cassette était. Je n'ai pas répondu la cassette. Na sala pe copie ya cassette. Je n'ai pas fait les copies de cassette. Ba tubazo ba cassette ba panza. Ils ont fait les copies de cassette et ils ont distribué à tout le monde. Sima balobi o kirimu daudaki Kinshasa mutapanja. On dit moi je suis pas là Kinshasa, celui qui est là Kinshasa c'est le pasteur, donc c'est lui qui a des... qui a distribué les cassettes. Les gens ont cherché à me tuer. Mais ceux qui n'ont pas fouffaté. Mais si je ne suis pas mort. Puisque j'étais innocent. Parce que j'étais innocent. Amen. J'étais innocent. Amen, 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 amen. Amen. Mais je suis innocent. Sinon, je devais avoir seulement deux enfants puisque ma femme était en terme de 9 mois. Devant tous ces criminels qui ont voulu me tuer. Au Kosela Moutoumakam. Est-ce que toi tu as déjà accusé quelqu'un ou bien tu as accusé quelqu'un? Alors le Nzamba a rappelé. Dieu te rappelle aujourd'hui de demander pardon. Combien de vies de gens qui ont été détruites à cause de vos faux témoignages? Combien d'enfants qui sont restés des orphelins? La période il y a 32 ans de pouvoir. À la période de 32 ans de pouvoir. Il y a eu des innocents. Il y a eu des innocents qui ont laissé des enfants qui sont morts cadeaux. Non, il innocent. Non, moi je ne voulais pas la mort innocente. Mais Juda a lobby, j'ai péché. Mais Juda. En livrant le sang innocent. Juda a reconnu qu'il avait péché en livrant le sang innocent. Il répondit. Que nous importe. Cela te regarde. Cela te regarde. A lobby one et talio. Ils lui ont dit cela te regarde. Oh non, on a mis un salamo pour la bunde la moutoubou. On est allé. Oh, je voulais vraiment faire ça pour défendre un tel ou une telle personne. Quand le coco salam a bêté. Ne cherche pas à faire du bien, du mal. Tout, qu'on bunde la co. N'gani n'a zoté à bino. A tout couti mouta ou finganga, qu'on bundate. Même moi qui vous presse, même si vous croisez quelqu'un qui m'insulte quelque part. Ne vous défendez, ne vous battez pas. Laissez-moi Dieu que moi je prie. Comme le père de Gédéon l'avait dit, laissez Baal lui-même s'il est Dieu qu'il combatte. Tala innocent ya liboso. Oh ya teka ki yé muto a témoigné liboso ke muto na teki. Celui qui a entendu Jésus premièrement, Judas a témoigné qu'il il a livré le sang innocent. Deuxième témoin à Luc 23. Le deuxième témoin, celui dans le livre de Luc. Luc 23. Luc chapitre 23. Verset 22. À partir de Pilate. Le verset 22.
Je lis la parole de Dieu. Amen. Pilate leur dit. Pilate a annoncé le bon bout. Pour la troisième fois. Luc 23. Luc 23, verset 22. Voilà. Pilate leur dit pour la troisième fois. Pilate a lobi na bango pour n'emballer mes sacs. Quel mal a-t-il fait? Asali ma benini. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Na moni li kamwe koko me maye na liwate. Je le relâcherai. Na kotikaye. Après l'avoir fait battre de verge. Tango ya betisi efimbo. Mais yuka maloba Hérode aloba. Deuxième témoin. Voilà ce que le Hérode a dit. Quel mal a-t-il fait? Ma bénigne a sali. Il a dit quel mal a-t-il fait? Moutou yotonga ba chaque jour. Quand tu critiques chaque jour. Ma bénigne a sala yo. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi est-ce que tu critiques les autres? Pourquoi parles-tu mal des autres? Pourquoi? C'est-à-dire batu mususu. Il y a des gens qui passent une nourrissent leurs enfants avec l'argent de critiquer les autres, parler du mal des autres. Ok, au fond, il y a fufu non malembe. Si aller t'asseoir chez quelqu'un, manger correctement ta semoule qu'on t'a servi et non parler des autres. Ne parle pas du mal des autres. Pasteur a salaoni. Qu'est-ce que le pasteur t'a fait? Moi, si na salaoni. Qu'est-ce que la femme du pasteur Kiri vous a fait? Le gars a bâti un ministère na salimabé. Est-ce que bâti un ministère il a fait du mal? Oyo ya kosambe la salimabé. Pour que toi tu viennes prier, est-ce qu'il vous a fait du mal? Ngamu suka pe mon invité ya kosambe. Et c'est moi encore qui t'ai invité à venir prier. Le longa suna comme un problème. Aujourd'hui, je suis un problème pour toi. Yamu pilata retourne mais. Asali mabe nini. Pilate pose la question de savoir quel mal est-ce que cet homme a fait. Basto pour tout matonga pour le bamabe na bango. Asali mabe nini. Qu'est-ce que les gens que vous passez votre temps à les critiquer vous ont fait? Pilate a tout la pays yo nanga to yo kaele lo. Je n'ai rien trouvé en lui ce qui mérite la mort. Abina monité eloko koko me mamoto na liwa. Il dit, je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Mais toi, les sorciers de ta famille veulent que tu meurs. Mais le Dieu que toi tu as, tu sers, il ne voit pas la raison pour laquelle tu as. Ils ont les tontines. Ils se sont entendus là-bas qu'en avril, c'est toi qui dois manger. Mais nous avons besoin de tel calendrier, na imakombo fala salanayo, na masali amote. Alors que quand Dieu regarde dans son calendrier, ce qu'il devait faire avec toi, il ne l'a pas encore fait. Et puis ça, en avril, on a beaucoup fatigué. Oui, en cet mois d'avril, tu ne mourras pas. Pas ibando qui a famille n'a pas zo sanga. Là où les sorciers de la famille se. Moko na bango bakolia. Ils vont se manger entre eux. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Bakolia na bango na. Ils vont se manger. Le feu de Dieu va les disperser là où se réunissent. Pilate. Je ne vois pas ce qui peut amener cet homme à la mort. Et puis il ne va pas s'en contre vie. Les gens se rassemblent contre ta vie. Qu'est-ce que tu as fait ces gens? Qu'est-ce que tu les as fait? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas ton nom? Pilate a retourné. Pilate pose la question. Abi, na monité. Il dit, je n'ai rien. Raison comme ma moto na yo. Je ne vois pas la raison qui peut amener cet homme à la mort. Donc deuxième témoin. Ça c'est le deuxième témoin. À mon ami que Jésus asa innocent. Pilate c'est le deuxième témoin qui a vu que Jésus est innocent. Mais balobité. Yokana 21 baloba gine. Au verset 21. Il crie. Na 23-21. Il criait. Ma ganga qui les sous. Crucifie. Crucifiez-le. Je continue. Non, je suis pas kawana. On est là qui deuxième témoin. On a joué là que c'est les six témoins. Là, je vous présente les six témoins. Tu fais tes mamans les kanzamba pambola yo, maman angari ta ma vie kanzamba pambola bino. Sois béni. Au nom de Seigneur Jésus Christ. Témoin y a mis ça tout. Et ça, moi, c'est à Pilate. Le troisième témoin, c'était la femme de Pilate. Toujours dans Matthieu 27. Nous allons nous retrouver toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Toyuka. La verset 19. Matthieu 27, 19. Je lis la parole de Dieu. Amen.
Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. La femme de Pilate. Pilate. Elle est venue dire à son mari Pilate que les Camerounais entre yo na moto. Elle lui a dit qu'est-ce qu'il y a entre toi et cet homme? Nga pena tuna les Camerounais entre yo na bandoke famina o. Moi aussi je te pose la question de savoir quel est le problème entre toi et les sorciers de ta famille. Les Camerounais entre yo na banguna na yo. Quel est le problème? Quel est ce problème qui est entre toi et tes ennemis? Problème ni n'est entre yo na coutume na yo. Qu'y a-t-il entre toi et la coutume? Problème ni n'est entre yo na ba parents na yo. Qu'y a-t-il entre toi et tes parents? Problème ni n'est. Quel est le problème? Bon alors, mon toi est juste. Puisque on dit, elle dit ce homme est juste. Bible le but que Nzambe a eu quoi de bon de lire juste. Dieu écoute la prière des justes. Mais Awaye soit juste. Ici Jésus est juste. Mais pas qu'on condamne. Mais on le condamne. Pas qu'on accuse. On l'accuse. Balaboni yota mususu oyebili kambute mais pas accusé. Combien de fois est-ce que tu étais innocent et qu'on t'avait accusé? Omitu misaka. Tu te poses des questions. Oh, les laka. Tu passes ton temps à pleurer. Oh, moi, on ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que dira Jésus alors? Mais dis-toi que si tu étais à la place de Jésus, qu'est-ce que Jésus dira? Jésus était innocent. Troisième témoin abîmé. Le troisième témoin était sorti. Mais le peuple cria, crucifiez-le. C'est-à-dire? Ne cherche pas à satisfaire ou à plaire aux hommes de ce monde. Si tu cherches à plaire aux hommes de ce monde, tu seras déçu. Quand Jésus a fait 5 pains et 2, il avait 5 pains. Allez, ça va. Il les avait nourris avec. Il a ouvert les yeux de Bartimé. Maman a fait un agent dans le livre. A fait un agent. La femme qui était courbée pendant 18 ans. Jésus l'avait guéri. Mouton de la maladie 38 ans. Celui qui avait la maladie pendant 38 ans. Jésus l'avait sauvé. Moi, je suis de la maladie à perte de sang il y a 12 ans. Celle qui avait la maladie de la perte de sang pendant 12 ans. Abixai. Jésus l'avait sauvé. Alors, il y a qui qu'on s'appelle ça, Batouté? Non, cela ne plaisait pas aux autres. Alors, tant que son appel m'a ramené au salon, Batouté, tu vois, c'est pas. Peut-être moi, de la manière que je vous prêche la parole, les gens ne sont pas contents. Mais, non, n'est-ce qu'on s'appelle ça, Batouté? Moi, je ne suis pas venu plaire à qui que ce soit. Mais, n'est-ce qu'on s'appelle ça, Nzambe? Je suis venu plaire à Dieu. Par rapport à la mission, Nzambe. Par rapport à la mission que j'ai. Prêcher la parole. Prêcher la parole de Dieu. Présenter Jésus-Christ. Présenter Jésus-Christ. Oh, baye, biete, baye, baye. Ceux qui ne le connaissent pas, qui le connaissent. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, qui si tu savais que tu sais que c'est toi qui devais mourir là, et que Jésus est mort à ta place. Alors tu as le troisième témoin abîmé. Alors que tout le monde banalité. Le troisième témoin c'est la femme de Pilate. Elle a dit que toute la nuit elle n'a pas dormi. C'est-à-dire boutoua lelo. Cette nuit, la personne qui se sera avec toi, il sera troublé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Moi, c'est Hérode qui est troublé. La femme d'Hérode, Hérode était troublée. Boutou mon balalité. Toute la nuit. Celui qui cherche la mort dans ce monde, cette nuit, il ne dormira pas. À vous comprendre que il comprendra que cette personne que je veux. Mais son malali a voué bâté. Mais si malade pongé katanae. Que son sommeil s'arrête au milieu de la nuit. Il est moqué à comprendre que mutoko toko luka toboma. Ah juste. Pour qu'il comprenne que la personne que nous cherchons à faire du mal est juste. Moi, c'est Rode à la laté. La femme de Rode ne peut pas. Les Rode à la laté. Aujourd'hui, tes ennemis. Ils seront troublés. Ils seront dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ils auront
des songes, des rêves, des cauchemars. Pour te bailler baké. Balukiba simba injuste. Parce qu'ils pour qu'ils sachent qu'ils ont cherché à toucher à injuste. À condition que ça moengebe. À condition que tu sois juste, hein? Juste devant Dieu. À condition que tu sois juste devant Dieu. Deuxième témoin les sous. On a dit que c'est Pilate. Il y a Sikoyo Hérode. Maintenant, il y a un témoin encore qui soit Hérode. Hérode, Luc 23. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 23. Tout qu'il y a verset 14 à 15. À partir du verset 14 et le verset 15. Tout. Je lis la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on a 13. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs. Pilate aussi m'a conseillé sa banga manzambe. Les magistrats et le peuple leur dit. Vous m'avez amené cet homme comme incitant le peuple à la révolte. Et voici je l'ai interrogé. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. C'est-à-dire, Namoni est loco mokote ya oyo bino mozo ko funde la e. Je continue. Continue. Hérode non plus. Boyo ka Hérode sikoyo. Sima Hérode koloba. Hérode non plus. Hérode le susuye alobi. Car il nous l'a renvoyé et voici ce homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Allez, Hérode. Abinamoni, Moutoko Tindelinga, il n'a solulim. Pour Pilate, n'a Hérode, Batalaka, binemi. Pilate et Hérode étaient des ennemis. Basolola, Moukouana, le Koloa Yesu. Ils se sont parlé. C'est-à-dire, pour Yébagé Yesu, Anzamba réconcilié. Sachez que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu de la vie. Yo, Kangaï. Si on a le Kamouna Moutler, Yamoko réconcilié. Toi qui m'écoutes. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, c'est le moment de te réconciliation. Il est le Dieu de réconciliation. Il n'est pas le Dieu des ennemis. À travers Jésus, Hérode et Pilate, Basolola. À travers Jésus, Hérode et Pilate se sont parlé. Il y a quand Hérode à Walobi. Ma question. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait. Moto Oyo. Pour qu'il soit digne de mort. Aza dignité à Koufa. Hérode. Hérode. Alors bien, en tout cas, pour la moto, n'a moni raison, il y a un boumelette. Il dit, en tout cas, pour cet homme, je ne vois pas la raison de le crucifier. Mais, Batouba Ganga qui babou maï. A qui non sommes. Il a dit encore, je le relâcherai, donc, après l'avoir fait battre de verge. Donc, à Bétissier Fimbo, à Tikiepo, à Monaké Loko et Koko, mais ma mouton à l'Iwa, et ça t'est. Mais ça n'a pas de mousson à famille, non, bazo la raté. Il y a des gens où dans vos familles, vous ne dormez pas. Les gens veulent que toi tu meurs. Dis-leur que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Dans mon Bible, je vous dis que. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera. Mes ennemis seront écrasés. Ils seront troublés. Vos ennemis téléphone seront troublés. Mais vos téléphones, ils n'auront pas la paix. Ils vont vous appeler. Donc, nous ne pas déranger. Yesu ça justifié. Celui qu'on dit, c'est comme juste devant Dieu. Toi, tu es là, maintenant, à Christo. Au travers de famille, il y a pas de ce que ta famille ne le sait pas. Hérode, même, il y a famille, là-haut. Aïe, bien, c'est-à-dire, chef coutumier, Nabino. Le reste de ta famille, c'est-à-dire, le chef coutumier, Nabino, aïe, puis, aïe, non, ça. Le chef coutumier de votre famille, c'est que tu es innocent. Mais, basso, quoi, caca. Ils veulent seulement que tes enfants soient orphelins. Mais tes enfants ne sont pas.
Les actes de foi ne vont pas se faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils vont réussir au nom de Jésus. Tes enfants vont réussir au nom de Jésus. Yuka lisusu, moko lisusu. Y a pas témoin. Nous allons voir des témoins. Les deux malfaiteurs au bagne nous avons vu les deux malfaiteurs qui étaient à la croix ensemble avec Jésus. La Luc 23:41. Nous allons lire toujours dans le livre de Luc 23. Au verset 41, je lis la parole de Dieu. Pour nous, c'est juste, c'est justice. Pour nous, c'est justice. L'un des malfaiteurs. Crucifié, n'es-tu pas le Christ? Yosa Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc, mi biki sa yomoko, bon, je m'en sers, au big sept. Mais, yes, on y mona la zara bilamba. Au kitanenini, a big sao. Poi ya yaki ko big saote. Ya yakinda koufan de ponayo. Jésus n'est pas venu pour de sauver toi, mais il est venu pour mourir. Aïe, il n'était pas mort. Je crois que et quand il dit non, Jésus n'est pas venu pour se sauver. Aïe, Jésus est venu pour sauver. C'est comme oui, bien sûr, le oh, mi bikisa nanu yomoko. Le voleur disait sauve-toi toi-même. Moi, moyen pour big set. Et ensuite, tu vas nous sauver. Mais il était gay. Ayaki comme big set. Ayaki comme big set. Ce qu'ayaki comme big set, n'a pas été. Si Jésus était venu pour se sauver lui-même, il n'allait pas venir. N'a pas été. Même quand on battait quelqu'un, il allait s'échapper. Même quand on l'avait vendu, il allait s'échapper. Mais yoka mouille bien à ce ban. Oh, mais big set. Yes, ayaki comme big set. Ayaki n'est pas à big set. Jésus est venu pour sauver et non se sauver lui-même. Continue. Mais l'autre le répondit. Moko, répondit. Et disons, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Moko. Pour nous. Pour l'abisso. C'est justice. C'est normal. C'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite. Bisso toujours joli tomba ya autre soto sali. Nos crimes. Hein, ma belle abisso. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Asali ma ben mokot. Même malfaiteur. Même le malfaiteur. Avoye bagaye sur celle de l'autre. A reconnu que tu as fait. Il y a beaucoup de choses qui savent que toi tu n'as rien fait de mal. Quand tu viens t'en foutre la nuit. C'est toi-là, il n'a rien fait, mais on vient quand même l'envoûter. On vient là, la raison qu'on va envoûter parce que c'est mais les gens, au lieu de dormir, ils ne dorment pas. Ils cherchent à l'envoûter. Ils cherchent à l'envoûter. Maintenant, si moi je te parle. Non, tu vas laisser tes enfants avec qui? Arrêtez de m'envoûter. Répandez-vous. Alors, awa moussoumo qui malfaiteur ou azoloba, il y a un juste. Le malfaiteur a dit, lui, il est juste. Toi et moi, nous sommes pécheurs. C'est pour cette raison que nous venons à l'église. Toi et moi, nous sommes pécheurs. C'est pour cette raison que nous avons reçu Jésus-Christ. Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Si c'est même le péché de nos parents ou de nos grands-parents, Dieu n'allait même pas nous voir. Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Tel est le témoin à Souka. Vois encore le dernier témoin. Soda Oyo, alaki mukonja ba soda, ya jour wano babo mayesu. Le soldat qui était le chef des soldats. Le chef des soldats. Na Luc 23 wana ka. Le jour où on avait crucifié. Na verset 47. Au verset 47, je lis la parole. Bana na 46 nan. Ok, 40, à partir du verset 46. Mm-hmm. Jésus s'écria d'une voix forte. Yesu aganga kina mongongo makasi. Père. Tata, tata. Je remets mon esprit entre tes mains. Na zongisi molimo na ngai na maboko na yo. Et en disant ces paroles, sima ya koloba maloba oyo, il expira. Akufi.
Tu l'as dit sur qu'on a 47. Le centenier. Mon conjara soda. Qui était arrivé. Amoni Oyo et Koma qui. Glorifia Dieu. Akumisili mon conjara soda. Yemu toi zalegi wana pouba bomba yesu. Mais akumisili nzam. Qui glorifia Dieu et dit. Alobi. Certainement. Ya solo. Cet homme était juste. Motoa zaki motobo sembo. Mon conjara soda. Le chef des centeniers a reconnaître. Il a reconnu que Jésus était juste. Que Jésus était juste. Mais tu décidais photo bomaye. Mais ils avaient décidé de. Il fallait montrement quoi koufa. Fallait que quelqu'un meure. Pour mukilie bika. Pour que le monde soit sauvé. C'est dit mukili mo bimbatoza biswa de to condamner qui Jésus. Tout le monde entier, c'est nous qui avons crucifié et condamné Jésus. C'est cette raison que vous voyez jusqu'à nos jours, il y a des gens qui ont dit que c'est l'enseignement de la condamnation, la presse, la condamnation. Jésus n'a pas condamné. Jésus n'a pas condamné. Il dit va, ne pêche plus. Il dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Awa, mon konja basoda. Ici le centenier. Le konja basodo ya zara li soumo kwe koufa. C'est ce centenier là qui avait un œil foutu. Yende moutazwa ka mopanga a tomola ka mopanja yesu. C'est lui qui avait pris aussi la flèche. Non, la lance pour pouvoir percer le côté de Jésus. Pour balouar bata la soudi sa koufi. Ils avaient voulu vérifier si vraiment Jésus était mort. Alors ton ba pasoul ba mouni ke oui. Il avait déchiré du côté, il a vu vraiment qu'il était mort. Maïna makile sopana. Vous avez vu qu'il y avait le sang et l'eau qui était sorti. Maïwana tangwe kweila et na lisu. Et quand cette eau avait touché l'œil, lisu no a couvé koufa. Et l'œil qui était déjà foutu, soda wana lisu ne wane mouna. A recouvré la vie. Il a donné gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Alors dit cet homme est juste. Il a dit que cet homme est juste. Maïa yesu. Quand il avait percé Jésus, était entré dans ses yeux qui étaient foutus. Parce que Jésus est même dans la tour pour saler ma vie. Même ceux qui font du mal. Vous voyez parce que aya qui te pour amibi qui ça. Jésus n'est pas venu pour se sauver. Aya qui te pour amibi qui ça. Mais il est venu pour nous sauver. Gainao. Toi et moi. C'est ça vous voyez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Pour que nous recevons le pardon des péchés. Pour que nous ayons accès à aller vers le Père. Ça, il dit, je suis le chemin. Azali solo. Je suis la vérité. Et je suis la vie. C'est-à-dire, il est venu donner la vie. Alors, si vous avez l'église, vous condamnez. Alors que dans les églises, vous passez le temps à condamner et à vous perdez votre temps. C'est que vous devez comprendre. Parce que vous n'avez pas encore compris les écritures. Tout présenter Jésus. Présentons Jésus. Jésus, c'est Jésus lui-même qui va agir dans la vie de Dieu. Gloire le centenier, c'est pas nous qui l'avons dit de donner gloire à Dieu. C'est lui qui était toujours prêt, à, c'est lui qui envoyait même contre Jésus. C'est là la Bible nous dit que tout l'œil le verra. Même quand Jésus, le retour du Christ, la Bible nous dit que tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors, à ton monique, sixième témoin, il y a eu. Le sixième témoin, c'est lui. Mais, Yeshua qui libérait. Mais Jésus n'était pas libéré. Puisque c'est un qui m'a fait. Il fallait que quelqu'un meure. Lié à sacrifice. Le lieu de sacrifice. Il y a qui n'a croix. C'était la croix. Il y a un hôtel de sacrifice. C'était l'hôtel de sacrifice. C'est un qui fait meka et mata. Il fallait que le sacrifice. Soit sur l'autel. L'autel, moi qui crois. L'autel, c'était la croix. Choix, elle a quitté. Il n'y avait pas de Isaac a quitté qui? Comme Isaac était descendu. Moi, je n'ai pas défalé à Zamata. Il fallait que le fils de l'homme monte. Il fallait yonder Baba Kanekulus. Il fallait que toi, qu'il soit crucifié. Mais Yeshua le bite tata. Zouangaï tikaï. Alors, il fallait que toi, tu sois crucifié. Mais Jésus a dit, Père. Laisse-le que moi je sois sacrifié à sa place. Mais fallait nous tout mettre dans mes points ni Baba Kayesu. Ce qui pasteur aux autres expliquer biso kadala ki non ça. Nous devons nous poser la question de savoir si Jésus était innocent. Pourquoi est-ce que on l'a crucifié? À cause de ses actes, misala.
à cause de ses actes. Misala naye. À cause de ses actes. Ba Yuda ba ko supporta monte. Les Juifs n'ont pas supporté. Bango bazalaki kolobela batu na tina ya mibekwa Moïse. Et il parlait aux gens de comment appelle de au sujet de Moïse, au sujet de Moïse, du commandement de Moïse, du commandement de Moïse. Jésus est venu nous parler du Père. Jésus est venu nous parler de Tata. Il vient nous parler de Dieu. Et Jésus est venu nous parler de Dieu. Moïse a exact. Il nous parlait seulement toujours de la loi de Moïse. Moïse a dit. Mais Yeshua soyez à l'obé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jésus, tata. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Les œuvres de Jésus. Mibeko Moïse est condamné moi si wana. Faut pas que babo mina mabanga. La loi de Moïse condamnait cette femme adultère de lapidation. Yeshua a condamné été. Mais Jésus est venu, n'a pas condamné. Alors, il va, il dit va et ne pêche plus. Misala wana nous se bando déranger bato. Tout cela dérange les gens. Aveugle de naissance. L'aveugle de naissance. Jésus a mis la patte sur ses yeux et il a vu. Parce que comment est-ce que toi tu as vu? Il dit moi je ne sais pas. Je sais que Dieu n'écoute pas la prière de pécheurs. Celui qui a fait ce truc a dit va et lave-toi les yeux. C'est-à-dire misala. Les œuvres. Même dans le pasteur. Même dans les histoires de pastorat. Même dans le cas de Christ. Même être chrétien. Misala na. Les œuvres. Misala les œuvres. La Bible le dit. Il n'a qu'à dire dans l'Apocalypse. Dans le livre Apocalypse. Que Simayaliwa. Après la mort. Misala na yonde kolanda. Ce sont tes œuvres qui vont te suivre. Donc misala ya Yesu ya moti le loto kolobela Yesu. Les œuvres de Jésus font que jusqu'à nos jours, on parle toujours de lui. Bakoufi, bah, c'est quoi? Les morts sont ressuscités. Batanzala, allez ça. Ceux qui avaient faim ont eu à manger. Bavede, bamona. Les aveugles ont vu. Nini Yesu a salité na vie na yo. Yomo koza témoignage koutou, o yozo yo kangaï. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour ta vie? Toi, tu as fait un témoignage. Alors, tala misala na opé. Alors, vois tes œuvres. Qu'est-ce que toi tu fais dans l'œuvre du Seigneur? Alors, yomo ko yebi. Si ma balobili sou maloba na Yesu. Malobo Yesu a ki koloba. On nous dit aussi que la parole que Jésus, la parole que Jésus faisait sortir. Et dans le matin, mon sou, bah tu vas supporter quand on dit. Dans la prédication que les gens ne supportent pas. Oh, il peut m'atteindre les kicks ma casse. Ah, lui aussi, ses prêches sont trop durs. Les gens préfèrent les femmes. Mais ce que je c'est vérité. Mais quand tu lui dis la vérité, les gens n'aiment pas ça. Il dit que je suis la vérité. Jésus dit qu'il est la vérité. C'est ce qu'il a tué. Les gens ont fait le fusil pour pouvoir tuer la vérité. Mais, mais jusqu'à nos jours, ils n'ont pas pu tuer la vérité. Ils ont tué Jésus, mais ils n'ont pas pu tuer la vérité. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Puisqu'il était le chemin. Puisqu'il était le chemin. La vie. La vie. Et la vérité. Et la vérité. Ils n'ont pas pu à cause des paroles qu'ils faisaient sur la vie. Ils sont hypocrites. Jésus a combattu. Il fait un peuple hypocrite. Si tu es hypocrite, si tu es hypocrite, écoute-moi. Non, tu n'iras pas au paradis. Après ta mort, les anges de Satan viendront chez toi. Hypocrite. Si tu es hypocrite, tu es esclave de Satan. Tu es esclave de Satan. Faut changer. Tu dois changer. Malobaya Yesu yango memsengam. La parole de Jésus, c'est ce qui lui avait créé des problèmes. Présence à Yesu qui ko gêné bango. La présence de Jésus le gênait. Pour pas mon année de batunyo so ba okene pas Yesu. Puisqu'il voyait que tout le monde allait vers Jésus. Jairus azalaki mokambi kuna na synagogue. Jairus était responsable là-bas à la synagogue. Mwana na Beli. Son fils était malade. Asali ba prière nous pas ça na synagogue. Il a fait toutes les prières qu'on fait à la synagogue. Habite frère no luka Yesu wana. La vie non je dois aller à la recherche de Jésus. Ba ebi se tika ko pertinent mwana kufi.
Il a dit, arrête de poitiner le maître, ton fils est décédé. Mais Yesu Tangwatala. Quand Jésus avait regardé Jairus, quand Jésus te regarde, au sentir bolingo moko et l'amour et la joie qui va entrer en toi. Comprendre quand Jésus a regardé Jairus, il dit quoi seulement? Il dit quoi seulement? Ni makaka. Quoi seulement? Jésus soit quand je suis Jésus te regarde, alors maman le bébé l'été. Il ne dira pas deux ou trois phrases. Ni makaka ngana dans mon tinda. Moi seulement. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Il a dit ne t'ai-je pas si tu dis que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Mais surtout nous tombons à bon temps. Nous cherchons toujours à voir. Le soda. Au moins le soda. Le soda. Azela qui a mona. Il a d'abord cherché si à voir. Je donne gloire à Dieu. Avant de donner gloire à Dieu. Mais tant qu'on a que bête, ma fille, moi, mon gloire à Dieu. Quand il chipotait, Jésus n'avait pas donné gloire mais à Dieu. Mais Yeshua, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire. Nima, Ogomona. Crois et tu verras. Libala, Nima, Nande. Ma Kobala, si ma Ndongo, mon Bala, et ensuite de cela, Mbongo, Nima, Nanjambo, si mon Mbongo, que Dieu, tu auras de l'argent. Il y a de l'Ingona, si ma Nombongo, pasteur, bon, si ma Nango témoigne. Toi, tu veux d'abord avoir l'argent. Yonima déjà, Nanou. Et c'est Nadimbongo, au nom de Jésus. Tu dois d'abord croire que tu as reçu cet argent au nom de Jésus. Donc, présence à Yesu, il y a là qui peut déranger, maman. La présence de Jésus dérange. C'est cette raison qu'ils l'ont crucifié. Alors, pour Nako Soukissa, pour terminer, je suis à la fin de mon message. Mais bien que Yesu, il y a l'obéla qui pour Nanzambe. Jésus a parlé de la part de Dieu. Bango baki kolobela na o etali mibeko ya Moïse. Et il parlait de ce qui concernait de la loi de Moïse. Mais Yesu ayé na grâce. Jésus est venu avec la grâce. Yesu ayé na ngulu. Jésus est venu. C'est-à-dire ils ont compliqué bango ben monaka bato nzambe. Cela compliqua eux qui se voyaient comme hommes de Dieu. Bango bazuya na ba mibeko. Et ils venaient avec la loi. Yesu ajouya na grâce. Jésus est venu avec la grâce. Je suis venu avec la grâce. Jésus est venu avec la grâce. Moïse a yaki na loi. Moïse est venu avec la loi. Mais Yesu est na ngolu. Mais Jésus est venu avec la grâce. Le banaza na ngolu. Dis je la grâce. Naza na se ya ngolu ya nzambe. Je suis sous la grâce de Dieu. Dans le beau coin nzambe za kalikolo. La main de Dieu est sous la grâce. C'est ça la grâce. Grâce est le roi bouclier. La grâce est comme un bouclier. Le banan dans la grâce. Dis-je la grâce. Si ma Yesu est le commissaire, tu es avec une vérité. Jésus est venu avec une troisième chose qui était la vérité. Bango bakanga moi siwana, oh bakangi enekobo. Et ils avaient arrêté cette femme à, comme on appelle, en adultère. Mais est-ce que Kobo va s'en rendre compte? Est-ce que l'adultère, c'est une seule personne qui l'a commis? Bon, Moubali wana zalaka wat. Où était l'homme qui avait commis l'adultère avec cette femme? C'est Kazalaga parmi Batuna Bango. C'est qui n'était pas cet homme était parmi leurs gens. Yangouana Bayaka Kakana Mouas. C'est pour cette raison qu'ils sont venus sur le monde. Yeshua en vérité. Jésus leur a dit. Oya Yebi Kazangi Lissoum. Celui qui dit qu'il n'a pas le péché. Abamba Libanga. Qui lance la prédiction. Yomona Kakaka Batunio Subatamasum. Vous voyez que tout le monde sont des pécheurs. Yangouani Bokumako Bamba Batuma Bango. C'est toi vous lancez toujours des pierres aux gens. Oh, Mouasua Nazaboué. Moutoua Nazaboué. Oh, ce papa est comme ça. Oh, ce homme est comme si. Mon souris a bon à moté. Yozo moné gaga na passé naé. Toi, tu vois la personne avec son ancien. Yo moné gaga passé naé. Tu vois seulement l'ancienne vie de la personne. Mais t'as le présent naé. Mais vois le présent. Bino bon lobe la gaga passé. Ouazalaga moïbi. Ouazalaga ndumba. Ouazalaga boué. Moi, lélo. Oh, c'était une prostituée. C'était une comme ça. Non, parlez du présent. C'est la vérité. Tina babou maïs. À cause de la vérité qu'ils avaient crucifié Jésus. Totalement Jean 3, 19. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 19. Jean 3, verset 19. Jean, chapitre 3, verset 19, je lis la parole de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde.
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Que Napoléon. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen, 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 amen. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité parce qu'ils ont des mauvaises œuvres. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais sont des sorciers. Mais, ce sont des gens de mauvaises œuvres. Ils sont dans l'obscurité. Ils viennent pour déranger les enfants de Dieu. À cette Pâque, Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Si tu as les œuvres obscures, non, amène ça à la lumière pour voir. Si tu vois un sorcier la nuit, il est nuit. Non, ce n'est pas une prostituée. Non, c'est son habit de travail. Ça fait ça, il s'envole, il s'en va. Dieu te demande de te repentir. Jésus est mort pour toi. Il n'est pas venu pour les hommes justes. Jésus est venu pour les pécheurs. Pour que toi et moi nous soyons. Alors, si tu as quelqu'un de mauvaise vie, change. Grâce à Zanan. La grâce est à toi. Comme il y a le souffle de vie, change. Repends-toi. Abicar, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Misala. Leurs œuvres étaient mauvaises. Nous m'avons donné tel misala nous n'allons pas. Et faire les amens de conscience. Tes œuvres dans le ministère. Tel misala naio na dibala naio. Nanda kunao. Tes œuvres dans ton. Tel misala naio. Dans ton foyer, dans ta famille. Est-ce que famille nous bakolo basse est un homme juste? Est-ce que ta famille peut dire que toi tu es un homme juste? Bible les autres témoignaient. Noé était un homme juste. La Bible témoigne que Noé était un homme juste. Job était un homme juste. Job était un homme juste. Daniel était un homme juste. Que Daniel était un homme juste. Et en moment où Bima na ba situation bagana. C'est ça, tu vois qu'ils sont sortis, ils étaient sortis. Yo mingo Bima na situation zana. Toi, tu veux sortir de ta situation? Non, sois juste devant Dieu. Alors pendant qu'on clôturer. Pour clôturer. Toujours Jean 4. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 4. Tu vois que nous devons savoir que si Dieu avait donné Jésus comme une offrande, qu'il puisse porter nos offrandes, c'est pour que nous ayons le pardon des péchés. C'est Jean-Baptiste Ganga qui Koloba. C'est cette langue de Jean-Baptiste avait écrit. Dans Jean 1, verset 29, tu retends à te. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. Alors, t'as la moi, patan, en zambé, ouais, et que l'on soumou la bateau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mon frère, ma soeur, personne ne peut te pardonner les péchés. Pasteur, mon côté. Aucun pasteur. Prophète, mon côté. Aucun prophète. Bishop, mon côté. Aucun bishop. C'est le Jésus-Christ. C'est le Jésus-Christ. Faki, non, chapeau, n'en gagne. Celui qui est mort, innocent pour alors, toi et moi. Que ma bezali, si tu sais qu'il y a le mal, tout bela. Non, tu dois te. Que dès qu'on le paye na Yesu. Va chercher la face de l'éternel. Et qu'on joue bolim, et tu auras le pardon de tes péchés. Debi, te nzambe, akabaki Yesu, pour que tu peux toujours bolim, nous savons que Dieu avait libre donné Jésus pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Alors, toujours dans Jean 4, verset 42. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 42. Toujours dans la. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. La histoire de la femme samaritaine. Balobi, exacte que pour ma cambo, yo yebisi biso. Continue. Que nous croyons. Y'a un toza kondima. Car nous l'avons entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Mais il est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Amen, 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 amen. Amen. C'est là où s'arrête le mon message. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Donc, na yonanga.
Toi et moi, mon frère, big sense. Il est venu pour nous sauver. Ne suivez pas la prêche des prédications de condamnation. Non, tournez les yeux vers le Seigneur. Celui qui a été crucifié à la croix pour toi. Aïe pour nous. Qui est venu pour toi. Azo talayo. Il te regarde. Azo zelayo. Il t'attend. Ozongi painay. Que tu reviennes à lui. De koyakae yakale lo moninga nanga koloye swako benga kayo ye aja limosungi na yo yakale lo koboyate mama yakae. Yakale no moninga nanga kolo ye swako benga kayo ye aja limosungi na yo yakale loko boyate ndeko yakae yakale lo moninga nanga kolo ye swako benga kayo ye aja limosungi na yo yakale loko boyate. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Au Bible, le Bible est dans mon canda à Hébreu. La Bible dit dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre na kota langonano. Na mon canda à Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Verset 16. Au verset 16. Le Bible est. La Bible nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance. Topusa na penza na elikia nyoso du trône de grâce. Na kiti na bokonzi na ngulu afin d'obtenir miséricorde pour être tozwa bolimbi sitoma wa yanzambe et de trouver grâce de trouver ngulu pour être secouri dans nos besoins. Amen. Pour être nzambe asunga biso na oyo nyoso ezotungisa bomo ina biso de konanga tukobondela. Maintenant nous allons prier le Seigneur. Tukosambela na ngai. Nous allons prier ensemble. Mon congé Yesu. Seigneur Jésus. Je sais que tu es innocent. J'ai vu que les preuves que toi tu étais innocent. C'est moi qui t'ai condamné. Toi tu as accepté de mourir pour moi. Pour que moi je sois sauvé. Pour que j'aie le pardon de mes péchés. Pour que j'aie la vie éternelle. Pour que je puisse t'accepter. Pour que je puisse avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Lave-moi avec ton sang précieux. Lave-moi avec ton sang précieux. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sauve mon âme aujourd'hui. Sauve mon âme aujourd'hui. Kangola molema nangai lelo. Sauve mon âme aujourd'hui. Kangola molema nangai lelo. Sauve mon âme aujourd'hui. Kangola molema nangai lelo. Sauve mon âme aujourd'hui. Bimisa molema nangai na boloko nyonso. Sauve mon âme de la prison. Bimisa molema nangai na prison nyonso ya malade. Sauve mon âme de toutes les prisons de la maladie. Bimisa molema nangai na boloko nyonso ya désert. Sauve mon âme de toutes les prisons du désert. Bolongola bimisa molema nangai na boloko nyonso ya souffrance. Sois mon âme de toutes les prisons de la souffrance. Kolo Yesu. Seigneur Jésus. Yo kilangai mawa. Aie pitié de moi. Kamata direction à vie nanga. Prends la direction de ma vie. Na lingi koyeba. Je voudrais savoir bolingo, l'amour pe makanisi nzambe. Et la pensée de Dieu. Pour na vie nanga. Pour ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Na mitiki na mabuku. Je me confie en tes sentiments. Na sosoli na poko ya lelo. J'ai discerné ce soir. Kufa kipo nanga. Que toi tu es mort pour moi. Nga na bika. Pour que moi je sois sauvé. Merci au longoli esprit à culpabilité dans mon cœur. Merci Seigneur parce que toi tu as enlevé l'esprit de culpabilité dans mon cœur. Tu es qui mi akati nanga. Tu as mis la paix dans mon cœur. Tu es sengo kati nanga. Tu as mis la paix dans mon cœur, la joie dans mon cœur.
Mon sauveur. Mon sauveur. Merci pour mon salut. Merci pour mon salut. Mon libérateur. Mon libérateur. Merci pour ma libération. Merci pour ma libération. Mon guérisseur. Mon guérisseur. Merci pour ma guérison. Merci pour ma guérison. Mon consolateur. Mon consolateur. Merci pour ma consolation. Merci pour ma consolation. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Merci pour ma rédemption. Merci pour ma rédemption. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans la kubonde là. Tatanzambe na tsonsi lo kumba. Seigneur, toi ce soir rendu la gloire. Na tiki bande ko nyonso basilikon du ma Christo. Je te confie toutes les frères et sœurs. Je crois mon conjoint, mon big sinama. Comme Seigneur et Sauveur. Bah on nous va renouveler le souffle alliance. Seigneur, renouveler l'alliance. Tatana tiki ba ono maboko na yo. Ali ko expérimenter le plan merveilleux de Dieu. Je vais expérimenter le plan merveilleux de Dieu. Na bomo ina bang. Dans leur vie. Tata pambola bang. Seigneur bénis-les. Tambola na bang. Seigneur marche avec. Molimo mon saint nom zambe. Saint-Esprit de Dieu. Accompagne bang. La marche que nous avons sur cette terre. Le pèlerinage que nous avons sur cette terre. Pas de notre force. Pas de notre puissance. Même par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Marche avec nous. Sois la vie chrétienne. Aide-nous dans notre vie chrétienne. Nous confions tes saintes mains. Bénis-nous. Protège-nous. Protège-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons terminé, que Dieu vous bénisse. Merci pour la maman qui est connectée. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées. Que notre Dieu vous bénisse. Que le meilleur reste encore à venir. Et que le meilleur reste encore à venir. Que Dieu fasse de grandes choses dans votre vie. Tout expérimenter le Sunzambe na mikolekoya. Que nous expérimentons encore Dieu. Totato la Sunzambe na mikolekoya. Que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Que tu vas vivre la vie nous à la protéger. Que votre vie soit protégée. En Jésus Christ. En Jésus Christ. Que tu maquilles na Christ et bombe les bottes. Que le sang de Jésus protège la famille de tout le monde. Allah qui connecté. Qui était connecté au nom de Jésus. Quand Zamba après. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont se connecter après. Zamba Pambola maman Nana Lutina. Maman que Dieu maman Emily Aleka. Maman Nana Koko. Madame Fortina. Zamba Pambola maman. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola maman Nana Rita Mavinga. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Zamba Pambola Jonathan. Pambola Sœur Nana Espérance Lutumba. Na kombone Jésus Christ. Amen amen amen. Que ten Zamba Pambola bino nyoso. Voilà qui connecté. Que Dieu la colo, vous bénisse. Que la catinabino, la combonne sous Christ. De mon année dimanche, l'église, à partir à 12h. Dimanche que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen.